Cam acum 4 ani aflam prima dată despre Parfum de Nicolai. În România ei sunt prezenți la niște parfumerii, practic de la ei am avut și primele mostre, apoi cartea și treptat am atașat de această marcă. Patricia de Nicolai face parte din familia Guerlain, este parfumier creator de prestigiu. Anul acesta am avut șansa să iau un interviu cu Patricia de Nicolai, un moment extrem de valoros și emoționant pentru mine. Era un moment pe care mi-l doream foarte mult și de fiecare dată când răsfoiam această carte scrisă de ea și de soțul ei, mă gândeam, wow, ce poveste frumoasă voi avea oare vreodată ocazia să cunosc pe această femeie. Puteți citi interviul pe blog în limba română. Practic v-aș sugera, dacă nu știți limba franceză, în timp ce vă uitați la clip, să aveți alături deschis și articolul de pe blog. Totodată vă recomand să cumpărați cartea despre Patricia de Nicolai, carte pe care o găsiți și la nișparfumerii.ro sau dacă aveți ocazia să ajungeți prin Paris, de ce nu, să cumpărați cartea direct din buticul Nicolai Parfumeur Creator. Ce m-a impresionat foarte mult la povestea Patriciei de Nicolai, pe lângă competența ei și pe lângă educație, este normalitatea, este legătura de familie, este acea chestie sufletească care practic răzbate din tot ceea ce vedeți ca și creații ale ei. Patricia de Nicolai nu este un simplu parfumier, este un profesionist de un alt nivel, medaliat, apreciat și recunoscut la nivel mondial pentru competența sa. Vous avez l'occasion de voir aussi les tableaux au musée. J'irai avec... la prochaine fois, j'ai dit que Patricia allait pour faire un événement là-bas. Ah, mais ça, c'est de l'emballage, Boum, hein. C'est des... moi qui l'ai fait. Ah, d'accord, je me suis dit, c'est la boutique, ils ont mis du scotch partout. Ah non, c'est moi. C'est très gentil. Voilà.
c'est super. Mais c'est adorable. Merci beaucoup. C'est tout à fait... Ça me fait penser... Ça, il a vécu à quelle époque, ce peintre? Au début du XXe siècle. Oui, parce que ça fait penser à Mucha. Hein, c'est un designer du début du siècle qui a fait beaucoup de... Bah, le design, par exemple, des vieilles stations de métro de Paris, c'est Mucha. Oui. Et puis, il avait fait plein de choses pour l'exposition universelle en 1900. Plein de stands dans l'exposition universelle. Il a fait le stand de la maison Houbigant. Et c'est le même style. C'est Art Nouveau, ça s'appelle. Oh, mais j'ai une poubelle. Théodore Enescu. Et comment on dit ça, Enescu? Ça, c'est le nom de l'écrivain. Ah, bon. Et là, c'est Lukian. Lukian. Stéphane Lukian. Stéphane, c'est Étienne. Ah, oui, Stéphane. Et il a peint beaucoup de fleurs. Waouh, c'est beau. Il est mort assez tôt, disons. Je pense qu'il avait environ 50 ans quand il est mort. C'est pas mal, hein, c'est joli. Il a été l'élève du peintre Grigorescu. Peut-être vous en avez entendu. Grigorescu, c'est le plus grand peintre romain. Et il a fait beaucoup de fleurs. Donc il a. Ouais, j'adore les fleurs. Des portraits aussi. Il a des portraits aussi, mais il est très très connu pour les fleurs et disons que les collectionneurs. Ça fait penser à des heureux, c'est un peu français. Ah oui, c'est drôle. Hein. Bon, ben c'est magnifique ça. Merci, je suis très touchée. Avec un plaisir. C'est beau, c'est magnifique. Hein. Et alors, c'est dans le musée à Bucarest. Oui, il a quelques tableaux dans le musée d'art à Bucarest. Et bon, il y a aussi plein de tableaux qui sont dans des collections privées. D'accord. Parce que bon, les personnes qui font des collections d'art romain cherchent avec prédilection ce peintre. Parce qu'il est vraiment très très spécial. On dirait du corot. Voilà, ça oui. C'est amusant. Oh là là, c'est magnifique les couleurs, c'est très joli ce livre. Ah, mais vous allez mettre un petit mot là. Ah oui, comme ça, je me souviendrai. Alors, je vous donne ça. Oh là là. Hop, voilà. Oups. C'est gentil comme tout. Je vais commencer avec... Vous mettez juste votre nom et la date. Comme ça, je me souviendrai. Non, c'est bon. Aujourd'hui, c'est le 26. Le 26 novembre. Et ben voilà. Et ben voilà. Super. Comme ça, j'ai un souvenir. Je me souviendrai que c'était vous. J'avais en tout cas mis ça. Voilà. Oui, je le garde. Mais ça, vous pouvez le garder pour l'utiliser comme signe. Oui, comme marque-page. Comme marque-page, voilà. Ouais, je fais. Merci. Oh, c'est génial. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de livres sur la peinture chez moi. Et j'adore. Mais alors, je faisais de la peinture. Ça, c'est moi qui faisais ça. Ah. Mais j'ai plus le temps. Je comprends. Oh, j'adore ça. Et j'aime particulièrement les fleurs. J'imagine. Voilà. Je sais que tout le monde vient ici vous poser des questions en tant que parfumeur, parce que ce que vous êtes. Oui. Mais moi, aujourd'hui, je veux connaître un peu plus l'homme, et surtout la femme. Oui. Et surtout la mère. Ah, et la grand-mère, maintenant. Et la grand-mère. J'ose pas dire mon âge. Oui. Et... pour moi, ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que quand j'ai lu votre livre, vous avez 4 enfants, si j'ai bien. Oui. Et quelle est votre, disons, recette, si on peut dire comme ça, comment vous vous débrouillez pour avoir aussi le temps pour... Mais ils sont grands maintenant. Ah oui, mais vous avez commencé quand... Oui, c'était dur au début, mais j'ai eu un mari formidable qui, à l'origine de notre société, il ne travaillait pas du tout dans le parfum. Et moi, j'étais dans une grande société, ça s'appelait Quest, qui est devenu Givaudan. Mais je lui ai dit, je ne peux plus continuer, j'attendais le numéro 3, et je lui ai dit, je ne peux plus continuer à plein temps, et ils veulent que je voyage, rencontrer les clients à l'étranger, c'est plus possible. Les grands-mères de l'époque, les grands-mères de mes enfants, ma mère ou ma belle-mère, elles prenaient un peu, mais pas beaucoup, les jeunes. En donnait 3-2 quelquefois pour les vacances, d'accord, mais 3 avec un nouveau-né, j'ai dit ça va être compliqué. Et je lui ai dit à mon mari, j'arrête
de travailler pendant 2 ans, 3 ans, je reprendrai après. Et là, il m'a dit, si tu arrêtes, tu auras beaucoup de mal à reprendre l'activité, le monde du parfum, ça va vite, et tu auras du mal à revenir. Et du coup, à l'époque, lui avait envie de changer aussi d'activité, parce qu'il était dans un domaine totalement différent, il faisait à la fois du conseil dans un grand groupe, et puis en même temps, il avait monté une chaîne de magasins de lunettes. D'optique. Il s'était spécialisé dans les lentilles de contact. Mmh. À l'époque, c'était assez nouveau en France. Mmh. Mais il arrivait un peu au bout de son process, parce que lui-même n'était pas opticien. Il était manager, et il avait des opticiens. Mais alors du coup, il n'était pas satisfait pour faire grandir l'affaire. Donc, il a voulu changer le cap. Il m'a dit, on monte une affaire de parfum ensemble, on crée une marque. Alors, oui, tu es fou. Mais là, tu vas pouvoir, parce que vous me demandez ce détail de comment j'ai fait. Oui. Et là, tu pourras gérer ton temps comme tu veux. Mm-hmm. Alors, pour une femme, c'est une aubaine. Hein, parce que quand vous êtes salarié dans une entreprise, c'est telle heure à telle heure. Oui. Et il y a, bon, en France, on a beaucoup de vacances, mais quand même, les enfants ont encore plus de vacances. Oui. Donc, c'est souvent compliqué à gérer. Et alors, il m'a dit, ben, tu fais comme tu veux. Moi, je ne connais rien en parfum. Toi, tu t'occupes de la création, le laboratoire, et moi, je fais tout le reste. Et comme ça, tu travailles à ton rythme. Et pendant longtemps, je ne travaillais que le matin, de 9h30 à 1h. Et mes enfants n'ont jamais vraiment réalisé que je travaillais, parce que je pouvais les déposer le matin à l'école, oui. Et à 5h, je pouvais aller les chercher le soir. Mm-hmm. Donc, j'étais très présente avec eux. Et en fait, quand il y avait des vacances scolaires, je prenais pas toujours toutes les vacances, mais j'en prenais beaucoup avec eux. C'était pas vraiment des vacances avec les enfants. Je sais, même si j'ai un seul enfant, mais je sais bien. Donc ma vie a pu s'organiser comme ça. Et quand ma dernière fille, la dernière, est rentrée en secondaire à 11-12 ans, là j'ai recommencé. Elle avait plus besoin de maman pour aller à l'école, la chercher, là, là, là. Donc j'ai pu reprendre petit à petit, un peu plus, travailler l'après-midi. Et on remet à plein temps. Et il y a eu une époque où j'ai, maintenant moins, mais à une époque où j'ai travaillé plus qu'à plein temps. Là, j'ai rattrapé un peu. Mais voilà comment je me suis organisée. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'étais chez moi. Là, je vois mes deux associés, là, mes deux collègues. Ils ont des enfants petits et eux, ben voilà, ils sont au rythme du travail. Enfin, on peut aménager, on a une petite structure, un temps partiel, on peut le faire. Mais c'est pas facile pour les femmes. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Et j'ai lu un peu votre histoire aussi, disons, l'histoire de la famille Guerlain, parce que c'est de là. Mmh. Est-ce que c'est un, disons, un point commun entre vous et les autres femmes de la famille Guerlain? Il y a une autre femme qui a dédié sa passion pour les parfums? Pour les parfums, non, mais pour d'autres activités, oui. Mmh. Non, les parfums, à ma génération, j'étais la seule. Après, je vois dans la génération en dessous, j'ai le fils d'un de mes cousins qui s'appelle Paul Guerlain et qui travaille dans les parfums. Mm-hmm, mm-hmm. Je le suis sur l'Instagram. Voilà. Et une autre nièce, plus loin, en cousin, en cousinage, mm-hmm. et qui elle aussi a fait une école de parfumerie. Mais c'est récent, hein, c'est tout à fait nouveau. Moi, quand j'ai commencé dans les années 80, j'ai fait l'école de parfumerie à Versailles entre 79 et 81. Donc à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, la parfumerie n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a des écoles de parfumerie. Donc, je pense que dans les générations futures, il y en aura sûrement d'autres. Là, j'ai derrière vous un arbre généalogique de la famille Guerlain. Oh là là. C'est un passionné. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un monsieur qui travaillait chez Guerlain, qui était passionné de la famille et qui a construit tout l'arbre. Donc, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de ramifications et je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura forcément d'autres. Mm-hmm. Mais dans mes cousins, j'ai une cousine qui a monté son affaire, elle est étonnante, elle est extrême, elle a eu 6 enfants et elle gère sa propre société, c'est une société de service, hein. Elle travaille dans la téléphonie, mais elle est formidable et c'est peut-être un peu dans les gènes. Ma grand-mère ne travaillait pas pour sa génération, elle faisait partie de ces femmes qui ne travaillaient pas, mais elle avait beaucoup d'entrain, de dynamisme. Alors, voilà. Ma mère aussi, elle a repris le domaine familial dans le vin, donc ça n'a rien à voir avec le parfum, enfin, quoique, un peu, un petit peu. C'est vrai, parce qu'un sommelier, c'est vrai. Voilà, donc mes parents, je n'ai plus mon père, j'ai encore ma mère, mais j'ai un frère et une sœur qui s'occupent du domaine, on a un domaine de vin en Bourgogne, donc ma mère a tout repris à une époque où
il y avait un gérant, ça ne marchait pas bien, et puis on a poussé le gérant, et mes parents géraient eux-mêmes. Donc ma mère était une battante aussi, elle a élevé ses enfants, puis après elle s'occupait de... La vie est longue aujourd'hui, enfin, il faut toucher du bois évidemment, parce que ça dépend pour les gens, mais les femmes elles sont souvent un peu bloquées à cette histoire de se dire bah, j'ai des enfants, je vais être arrêtée dans ma carrière. Mais il faut voir sur le long terme, parce que les enfants, ça va vous occuper pendant 10, 15 ans. Bon, ça prend toujours toute la vie, mais physiquement, où il faut être présent et tout, c'est une quinzaine d'années. Et puis après, on a de nouveau plus de temps pour... Et si on a fait des enfants assez tôt, ce que je recommande à beaucoup de femmes, au lieu de faire des enfants tard, et bien c'est plus intelligent parce que... On a plus de temps derrière. Vous avez eu la chance, vous avez rencontré votre mari. Moi, je l'ai rencontré à 30 ans. Mais, oui, c'est, bien sûr. Mais vous voyez, j'ai ma fille qui est dernière. Elle s'est mariée l'été dernier, en 2020. Et on en discutait de ça ensemble. J'ai des garçons, puis j'ai qu'une fille. Bon, alors, elle, je lui ai expliqué, tu comprends, si tu fais ça pas trop tard, ben, tu auras plein de temps après pour te mettre à fond dans ton travail. Et là où j'ai vraiment senti que pour moi, dans mon carrière, c'est quand j'ai commencé à retravailler vraiment à plein temps, et vraiment beaucoup, et c'est vers l'âge de 45 ans, vous voyez. Mm-hmm. Et on a encore beaucoup de temps quand on a 45 ans pour aller... Ben voilà, vous voyez, on a encore beaucoup de temps. Donc, vous me posez cette question très matérielle. Non, mais c'est ce genre de discussion parce que j'ai suivi sur YouTube, vous avez d'autres interviews, j'ai lu votre livre, oui. Mais j'ai voulu un peu aller un peu derrière. J'ai eu de la chance, hein. tout se fait pas si facilement, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai un mari extraordinaire que j'ai perdu il y a 2 ans, malheureusement. Ah, c'est vrai. Oui, mon mari est parti il y a 2 ans. On avait tout fait ensemble, mais j'ai mon fils qui avait repris déjà avant que mon mari, parce que mon mari est parti en fin 2019, et mon fils avait repris en 2014 déjà, 2014-2015. Donc il y a eu une bonne transition, une très bonne transition, donc j'ai beaucoup de chance parce que j'aurais pu avoir aucun enfant intéressé, on n'a pas obligé, mais j'ai un des enfants qui a dit, il n'est pas dans la partie technique, mais il a fait une école de commerce, il a travaillé chez L'Oréal, il a travaillé chez Givenchy, il a travaillé dans le Moyen-Orient, enfin bon, et puis après il est venu, mon mari était fatigué, donc il a pris le relais, et le départ de mon mari était très triste, mais ce n'était pas une catastrophe. La suite était en place. Voilà. Je pense avec difficulté à ce moment-là. Je discute. Aussi, j'ai une très très bonne relation avec mon mari. Et quand on discute à ce sujet-là, on dit non. Je ne veux pas en discuter parce que. Quand une relation, c'est très solide. Oui, mais c'est la vie quelque part. Hein, on ne choisit pas ces choses-là. Il a eu un cancer, ça a été rapide. Mes enfants étaient grands quand même. Parce que moi, j'ai des amis qui ont perdu des maris plus jeunes, avec des enfants plus jeunes. Et là, c'est compliqué. C'est très mais je ne peux pas dire ça. Mais mes enfants ont été des soutiens formidables. Mm-hmm. Surtout les aînés. Pour les plus jeunes, ça a été plus dur pour eux. J'ai des enfants adorables, donc on a construit ensemble, voilà. Mais c'est ça, c'est extraordinaire, c'est ce que je dis aussi à Damien et aussi à Andrea, la personne qui a la boutique en Roumanie où vous avez les parfums. On ressent le sens de famille qui est derrière la marque. Ça c'est... l'énergie se sent. C'est important. Quand je lis le livre, et puis quand je vois vos interviews, ça se sent la famille. Ce n'est pas qu'une affaire. Non, la famille c'est important, surtout aujourd'hui, beaucoup de jeunes montent des startups, ils cherchent des fonds, après ils ont des investisseurs, après ils font grossir le chiffre, après ils vendent, c'était pas du tout, même dans le parfum il y a ça, quand on voit Atelier Cologne, c'était vraiment le concept de l'entreprise, hein. Ils ont monté une startup de parfum, ils avaient un beau concept, ils ont bien démarré, puis ils se sont fait racheter par L'Oréal, et bon, c'était pas du tout notre... perspective à mon mari et moi, mais on ne savait pas après qui allait reprendre ma place.
Ça, c'est ma question, la plus forte question. Oui, mais c'est notre question à nous tous ici. Moi j'ai monté une équipe, hein, j'ai travaillé longtemps seule, j'avais une assistante qui venait le matin, c'est tout. Enfin bon, maintenant l'affaire a grossi, j'ai deux assistants là, il y a un technicien à l'usine, là où on fabrique tous nos parfums. On a une équipe vraiment maintenant. On va un jour chercher quelqu'un qui pourrait reprendre la création. Mais pour l'instant, l'idée c'est que je recommence, si vous voulez, j'ai travaillé à temps partiel, puis j'ai travaillé beaucoup, beaucoup à plein temps, et l'idée c'est que je redescende maintenant à temps partiel. Et que je peux continuer à créer et continuer le matin et avoir plus de temps l'après-midi pour moi et me décharger de les stocks, les achats, les contrôles, la législation, toute la partie administrative qui est derrière. Parce que les gens pensent, oh la création c'est merveilleux, c'est formidable. Mais quand on a sa propre société, derrière il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc toute cette partie administrative, j'aimerais me délester. Et puis en même temps, j'ai quelques années justement pour chercher une personne. Donc vous n'avez pas encore trouvé ça... On n'a pas encore commencé vraiment à chercher. Voilà. Oui. On va commencer à chercher. Des créations, j'en ai beaucoup en préparation. Donc on ne va pas lancer 10 parfums par an. Hein, donc j'ai un peu d'avance. Donc je ne panique pas. Et en même temps, quand mon mari est parti, ça m'a été formidable d'avoir encore un travail, hein, parce que j'en serais restée chez moi avec le Covid, les confinements. Oh non. J'aurais trouvé ça très très dur. Mais grâce au ciel, le travail m'a beaucoup aidé, m'aide encore et j'ai envie de continuer. Donc ça c'est très important. Voilà, alors la suite, ben, ils écriront, hein, pour moi, les enfants, la suite de l'affaire. J'ai quand même presque 6 petits-enfants. Wow. Bon, ils sont petits, hein, mais on ne sait jamais, hein, ça fait un cheptel, il y en a peut-être un qui un jour... Alors, je n'attendrai pas qu'il ait 25 ans, mais peut-être qu'il y aura une transition qui pourra se faire comme ça. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais on veille beaucoup à respecter le concept de la marque avec le fait maison, la création in-house... ce qui n'empêche pas de se faire aider par un groupe un jour. Ce sera le cas. Mais il y aura un parfumeur toujours en interne chez Nicolai, hein, donc ça c'est important. C'est presque tout ce que je voulais savoir. Parce que c'est pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai beaucoup lu sur vous, les interviews, tout ça. Ouais. Et le fait d'être là, c'est plus que... Oh bon, si vous voulez, je peux vous poser des questions jusqu'au soir. Non, mais j'ai encore un peu de temps, si vous avez... Parce que moi, Damien m'a dit une heure, alors on a encore un peu de temps. J'étais aussi curieuse de votre opinion de l'industrie de la parfumerie d'aujourd'hui. Oui. Quand il y a des parfumeurs qui deviennent des parfumeurs, je ne sais pas, en quelques mois. Alors ça, c'est pas mon... Enfin, Votre opinion, disons, comme professionnel, parce que moi et d'autres personnes que je connais, et nous aimons beaucoup les parfums, nous on trouve aujourd'hui un peu superficiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent parfumeurs d'un à l'autre. En fait, ce métier n'est pas encadré, c'est le problème. Sur le plan réglementaire, alors quelquefois on croule sous les lois et les réglementations, alors on est content d'avoir la liberté. Et sous l'ancien régime en France, avant la Révolution, la parfumerie, c'était une corporation. On ne pouvait pas devenir parfumeur comme ça, tout seul. Je mélange 3 trucs, je suis parfumeur. Non, il y avait tout un cheminement. Il fallait travailler comme apprenti dans une maison, enfin dans un magasin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de société, c'était des boutiques de parfums, d'apothicaires, parfumeurs. On apprenait à mélanger, à faire des colonnes, des lavandes, on apprenait le métier auprès de quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience. Et il fallait rester pendant minimum 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, il fallait présenter une propre création à tout un jury fait de professionnels. Et on vous donnait ou pas le titre de parfumeur créateur. Donc ça, c'était bien encadré. Après la Révolution, on a enlevé toutes les corporations et on a donné beaucoup plus de liberté aux gens. Et aujourd'hui, on s'aperçoit avec Internet, que beaucoup de gens s'intéressent à la parfumerie. Et effectivement,
ils peuvent même, moi, un jour en Hollande, j'étais voir un de nos distributeurs, un de nos clients, et ah, tu es formidable dans ma boutique, j'ai une marque hollandaise parce qu'on a chez nous un parfumeur qui s'est formé sur Internet. Oui. Ah, j'ai dit, ah bon. Alors, c'est un peu une insulte pour nous parfumeurs qui avons consacré une vie entière. Mais il y a des écoles qui font en ligne. Et moi, je n'imagine pas comment devenir parfumeur. Je sais, parce que tout le monde est âpre au gain et crée des écoles comme ça pour gagner de l'argent. En fait, elles ne donnent pas un certificat pour avoir le métier. On n'a pas de certificat en disant je suis parfumeur comme l'ordre des médecins ou des avocats. Donc, ils ne le font pas en mauvaise intention, mais c'est pour que les gens se forment, apprennent à sentir, apprennent à connaître le marché, l'histoire du parfum. Puis après, il y a des gens qui disent, ben voilà, je suis parfumeur, mais ça ne marche pas comme ça. Et en fait, il y a 6 ans, en France, plusieurs parfumeurs ont réfléchi à ce problème et ils ont créé la Société internationale des parfumeurs créateurs. Donc, n'adhèrent à cette société que les vrais, entre guillemets, parfumeurs créateurs. Ceux qui travaillent chez Firmenich, chez IFF, Givaudan, il n'y a aucun problème. Ils sont formés dans leur société et s'ils sont là et qu'ils sont reconnus comme parfumeurs dans ces sociétés, c'est qu'ils sont parfumeurs. Pour les indépendants, pour intégrer cette association, il faut montrer un dossier et dire le parcours qu'on a fait. Maintenant, beaucoup passent par des écoles quand même. Les écoles, il y a l'apprentissage dans les sociétés, il y a les créations qu'on a faites. Et là, vous entrez dans l'association. Et pour se défendre et défendre notre métier, on a le logo SIPC, Société Internationale. Alors, quand on est parfumeur SIPC, c'est qu'on est vraiment parfumeur. C'est, parce que cette association, elle ne peut pas accepter quelqu'un qui a appris la parfumerie en 3 mois sur un... Donc, petit à petit... Je pense que dans les esprits, les gens vont... on fait grandir cette association pour la faire reconnaître. Et le client, que ce soit une boutique qui achète à l'étranger des parfums français, va se renseigner pour savoir qui a fait le parfum. Et petit à petit, je pense que l'appartenance à cette association donnera... un veto pour dire, ben voilà, là c'est vraiment... Il faut parce que vraiment maintenant il y a toutes sortes de parfums aussi en Roumanie, le marché est comblé de toutes sortes de marques. Toutes sortes pas forcément de... légitimes. Il y a certains parfums qui effectivement font du mal. Moi je reçois de temps en temps des échantillons, tout ça pour sentir, et aussi des parfumeurs comme ça, et parfois ça fait vraiment du mal. Ouais. Quand tu le sens, tu sais que c'est pas quelque chose de normal. Le nez va s'éduquer petit à petit quand même, et on peut faire la différence entre un vrai parfum, d'un parfum bricolé ou d'un parfum... Voilà, exactement, entre un vrai parfum qui est une pièce d'art et un parfum qui est un petit bricolage. C'est un peu la différence entre, quand vous m'avez offert le livre, entre les tableaux de grand maître et les pains du dimanche, hein. C'est un peu ça. Oui. Vous pouvez avoir de temps en temps un très bon peintre du dimanche qui va devenir un grand passion. Moi, tous les matins, je suis là, vous voyez, j'ai replié mes dossiers, mais je suis dans mes formules. Et ça depuis 30 ans. Quand est-ce que vous avez senti que vous avez une relation avec les parfums et que vous voulez travailler pour ça? J'ai commencé à faire de la chimie, je voulais être médecin au départ, la médecine n'a pas voulu de moi. Et bêtement, parce qu'aujourd'hui, c'est des médecins roumains qui viennent travailler en France, hein. Manque de médecins chez nous. Hein. Il y a le numerus clausus, là. Vous savez, dans les universités de médecine, ils n'acceptent que tant de médecins chaque année. Alors il y a un concours très dur au début et ils ferment les portes pour pas avoir trop de médecins. Mais maintenant ils se retrouvent, ils n'ont pas assez de médecins. C'est stupide. Donc ce fameux numerus clausus, il faut le faire grandir. Mais moi à l'époque, donc la médecine n'a pas voulu de moi, mais j'avais fait beaucoup, beaucoup de chimie. Et par hasard, c'est là où on doit avoir une étoile aussi dans la vie. Chaque personne a son destin et son étoile, la providence. J'avais, à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était en 79. J'étais renseigné dans un centre documentaire pour les jeunes d'orientation et j'ai demandé le livre sur toutes les écoles de chimie en France. Et
je vois des grands décors de chez Paris, ou de Lyon, ou, et puis il y en avait beaucoup, mais les plus grandes étaient avec des concours très longs, je ne sais pas très bien où ça allait amener. Et puis dans ce grand plaster, il y avait des onglets, la dernière, il y avait marqué « École de chimie appliquée à la parfumerie ». J'ai quand même famille dans le parfum. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ouvert à la page et il y avait un petit leaflet, un petit bouquin. Il faudrait qu'un jour je le retrouve parce que j'ai dû le garder, mais il doit être dans mes archives. Vous aviez quel âge? 19 ans. Mmh. Et moi, j'ai vécu dans le parfum sans m'en rendre compte. C'est inconscient tout ce que je sentais à la maison chez ma grand-mère et tout. Et ce petit bouquin, j'ouvre et je vois « École de chimie appliquée à la parfumerie à Versailles, fondée par Jean-Jacques Guérin ». C'était mon oncle. Mais l'école était toute petite parce que c'était en 79 et l'école avait commencé en 70. C'était très récent. Il y avait une classe par niveau, ça durait 3 ans. Il y avait 20 élèves par classe. C'était très peu. Et je me suis dit, mais c'est formidable, il faut un bagage en chimie. Je regardais le programme. Et je suis repartie avec l'adresse et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je vais faire. Et mon père m'a emmenée voir l'école à Versailles. Elle n'est plus là maintenant. Elle est toujours à Versailles, mais pas au même endroit. Petite maison privée indépendante qui avait dû être rachetée par le syndicat de la parfumerie. Car mon oncle était président du syndicat quand il a eu l'idée de créer cette école. Et mon père a dit, tu es sûr que tu veux faire cette école? Je me souviens très bien. Il était très étonné parce qu'il voyait ce petit bâtiment qui était comme une maison privée en fait, qui avait été transformée avec 2 étages, les premières années au premier, les deuxièmes années au deuxième. Et c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, l'école est devenue beaucoup plus importante. Ils ont changé de lieu et ça s'est agrandi, il y a beaucoup de sections, beaucoup de classes, et c'est la chambre de commerce qui a repris cette école et c'est devenu l'école presque incontournable pour la rentrée dans le métier du parfum. Mais c'était un coup de chance, Il peut regarder quelque chose. Non, il a trouvé l'œuf de Pâques. Oui, parce que c'est... Oui, c'est moi. Ah oui, c'est Christian qui me l'a offert. Ah, c'est l'œuf de Pâques de Romanesco. Oui. Enfin voilà, donc c'est un peu une chance quelque part, parce que ma mère n'était pas parfumeur et ma grand-mère, qui s'appelait Francine Soudé-Guerlain, les femmes ne travaillaient pas chez Guerlain dans l'affaire, c'était que les hommes, c'était son frère qui était le grand... Pourquoi cette limitation? Mais il faut se remettre dans les années 50, 60, après-guerre, les femmes dans les milieux bourgeois aisés ne travaillaient pas, ou très peu travaillaient. Financièrement, peut sans doute pas besoin de travailler. Et une femme, elle devait s'occuper de sa famille, de sa maisons. Souvent, elle en avait deux maisons. Mais elle avait beaucoup de travail quand même. Mais elle travaillait, voilà, elle travaillait quand même. Elle travaillait à l'éducation de leurs enfants. La maison, soutenir son mari dans ses affaires, recevoir, enfin voilà, elle avait un statut social. Oui. Mais chez Guerlain, c'était vraiment une famille très patriarcale. Les hommes travaillaient dans l'affaire. Pas tous d'ailleurs, parce qu'après on est devenus nombreux, mais pas les femmes. Donc ma mère et ma grand-mère n'ont jamais travaillé chez Guerlain, mais j'ai toujours senti les parfums chez... Il peut aller voir le laboratoire s'il veut. Pense-moi, je t'avais fait un laboratoire. Passe-moi. Et donc, moi j'ai toujours grandi dans le parfum. Et ma mère, qui était proche de Jean-Paul Guerlain, qui était le créateur des années chez Guerlain, portait les parfums avant qu'ils ne sortent. Mm-hmm. Elle a porté Chamade avant que Chamade ne sorte, elle a porté Naïma avant que Naïma ne sorte. Donc, mais son parfum fétiche, c'était Chalimar. Mais bon, moi, j'ai toujours vécu là-dedans, finalement, sans m'en rendre compte. Donc j'ai dû être imprégnée. J'ai pas su à 12 ans ou à 10 ans que je voulais être parfumeur, mais ça s'est rentré. Mais c'était là, voilà. Tout à fait. Ma grand-mère ou ma mère, quand elle recevait du monde, elle faisait un dîner le soir chez elle. À l'époque, il y avait très peu de sociétés qui faisaient des bougies d'ambiance, qui sentaient bon. Et il y avait chez Guerlain ce qu'on appelait un pot pourri, qui était une petite huile parfumée qu'on mettait sur des rondelles, sur des ampoules électriques. Et quand on allumait l'ampoule, ça sentait. Et je savais le soir, en rentrant de l'école, qu'il y allait avoir un dîner chez moi, ça sentait cette odeur qui était formidable. Et chez mes grands-parents, il y a toujours eu.
voilà, mon grand-père il portait habit rouge, mon père portait vétiver, ma mère portait les futurs Guerlain plus Chalimard, ma grand-mère adorait la prélandée. J'ai été. J'aime la prélandée. Mais moi aussi, j'aime la prélandée. Et il y avait encore un qui s'appelait après la pluie. Oui, je... c'est possible. Oui. Chez Guerlain. Chez Guerlain. Ah oui, c'est... je ne sais plus. Enfin, j'ai tous les bouquins. Oui, j'ai des échantillons. Enfin, après Landais, c'était magnifique. Enfin voilà, donc je pense que. Alors, quand j'ai fait l'école, pour finir avec cette histoire, je suis rentrée dans cette école en disant le parfum, voilà, c'est ma vocation. Mais je ne pouvais pas savoir que je voulais travailler dans le métier de la création vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Et pendant les études, j'avais du temps l'été pour faire des stages. Donc, j'ai fait des stages, je ne connaissais pas bien l'industrie des parfums. Et j'ai fait des stages dans différents services et différentes sociétés. Et c'est le laboratoire et la création que j'ai voulu faire. Et c'était à l'époque le plus audacieux parce qu'il y avait peu de femmes qui... Physiquement, non sincèrement, moi aussi j'ai une petite allergie et, aérienne. Et parfois quand je mets beaucoup de parfums, j'ai du mal un peu, ou j'ai des périodes... On sent moins bien. Quand je n'aime pas, par exemple, dans de certaines périodes, je n'aime pas sentir certains parfums. Oui. Parce qu'on est femme, on a une certaine sensibilité. Ça ne me gêne pas tellement, je crois pas que... Beaucoup de femmes, maintenant il y a beaucoup de femmes dans le milieu de la création. Quand j'étais enceinte, je ne pouvais pas porter Chalimar, que j'adore Chalimar. Je ne supportais pas. Oui, c'est trop fort. Je regardais la bouteille, je ne pouvais pas porter. Non mais c'est normal hein. Et puis il y a des moments où on sent moins bien et, exactement, et puis il y a la météo qui joue. Quand il fait très froid, quand il fait très chaud, on sent pas bien. Quand il fait très sec, on sent pas très bien. Il faut une certaine humidité dans l'air. Non mais moi j'ai choisi. Et dans les promotions de l'école de Versailles, on était 25-26. Deux ou trois seulement devenaient parfumeurs, les autres travaillaient dans le technico-commercial, dans le marketing, mais pas forcément, mais pas la création. Voilà. C'est dur parce qu'une fois qu'on a sorti de l'école, on n'est pas parfumeur. Il faut rentrer dans des sociétés et travailler avec d'autres parfumeurs qui vous enseignent le métier, et c'est pas facile. Donc j'ai eu de la chance aussi, j'ai travaillé avec des grands parfumeurs. Donc, à un moment donné, mon oncle Jean-Paul a dit « tu viendras chez Guerlain », mais ça ne s'est jamais fait. L'affaire a été vendue à LVMH, bon, c'était plus la famille. Il est bien maintenant parce que j'ai lu quelque chose dans la presse très peu, il n'est pas très bien comme santé. Bon, il est aussi très... Non, il n'est pas en forme du tout. Non, il n'est pas en forme du tout. Il est un peu en fin de vie, malheureusement. Enfin, voilà, donc au départ, on m'avait dit oui, pourquoi pas, Guerlain, super, mais je ne suis jamais rentrée chez Guerlain et je ne regrette rien parce que c'était... un peu la fin d'un règne, d'une histoire. C'est vrai. Donc voilà. Maintenant, j'avais, et c'est Guerlain qui m'a donné l'idée de créer une marque avec un parfumeur à l'intérieur de la marque pour donner une signature olfactive importante et montrer aux consommateurs, à mes clients, qu'il y a quelqu'un derrière la bouteille. Exactement. Alors que quand vous achetez un parfum chez Sephora, de Saint-Laurent, de Lancôme, de machin, on ne sait jamais qui... Exactement, il faut regarder Fragrantica qui le créateur. Et en même temps, on n'est pas sûr parce que derrière le grand nom, j'ai compris qu'il y a toute une équipe. Et le brief qu'on fait avant. C'est sûr. Donc, moi, j'avais grandi dans cette ambiance Guerlain très, très, très marquée olfactivement avec une signature très forte. Et je me disais qu'il y avait de la place pour faire la même chose. Parce que des grandes maisons qui n'ont pas leur parfumeur, qui font travailler différentes sociétés, n'ont pas cette cohérence dans leur olfactif, dans leur parfum. Et j'avais dit à mes amis parfumeurs avec qui je travaillais, Maurice Roussel, Jean-Claude David, j'ai dit, vous allez voir, un jour, les parfumeurs vont revenir dans les sociétés. Et moi, je suis rentrée, j'ai monté en 89 mon affaire, et monsieur Jean-Louis Dumas, chez Hermès, en 2002 ou 2003, il décide d'intégrer un parfumeur chez Hermès, et ça a été Jean-Claude Helena, parce que justement, il voulait refaire booster sa division parfum. Ils avaient des belles choses, mais ça ne progressait pas très vite. Et il a réveillé toute la partie parfum chez Hermès grâce à ce parfumeur en interne. Et puis ensuite, chez Monsieur Arnaud, s'est dit, tiens, mais moi aussi je veux un parfumeur chez Dior, il était chez Chanel. Et petit à petit, on revoit des parfumeurs en interne.
Et je l'avais prédit quand moi j'ai monté mon affaire. Mais moi je suis restée discrète, j'ai une petite affaire, je ne m'appelle pas Chanel ou Dior ou Hermès, mais je l'avais pensé déjà en 89, et c'est ce que j'ai expliqué à mon mari. Et c'est pour ça que mon mari, qui n'était pas du tout de ce métier, commençait à comprendre tout ce que je disais, et on monte notre affaire. Voilà, on revient à la question du départ. Et voilà, c'est un peu mon sentiment. Est-ce que de Nicolaï émanera un grand chef-d'œuvre comme le bleu ou chez moi? Je dis, pour ça, il faut du temps et on verra si un jour. Mais j'ai des jolis parfums, il y en a qui sont magnifiques. Et puis là, on vient lancer tout le monde. Oui, elle en mixe, c'est ma mère qui l'aime beaucoup. Donc voilà, et puis on continue. Mais écoutez, j'étais ravie de vous voir. Moi aussi, j'aime. Cam acesta a fost interviul. Tot ce doresc este să revin încă o dată în acest magazin și să poate să o salut măcar din nou pe Patricia.